Maintenant, on va parler de Neymar. On va parler de Neymar qui se bute à Counter-Strike. Et oui, élimination de la Ligue des Champions avec un énorme triplé de KBNWB. Ça, c'est dans mes veines. Parce que, bien évidemment, moi, je suis Marseillais. Que voulez-vous que je vous dise? Allez, l'OM, j'ai bien dormi. Ouais, j'ai dormi comme un petit chérubin ce soir-là, figurez-vous. Mais là, on va parler de Neymar. On va parler de Neymar parce que, bon, il est critiqué. Ça fait quelques temps que, ouais, il s'entend basse les couilles du football, le PSG, machin, manque de respect du maillot, pas du maillot, etc. Eh ben, sachez que mon ami Neymar, il s'en fout du foot. Voilà, je vous le dis, il s'en fout du foot. Neymar, on n'a plus rien à foutre du ballon. Il joue plus de 5 heures par jour à Counter-Strike. On sait que c'est un amoureux de Counter-Strike. Hein. Il a déjà joué avec Zywoo, avec Apex, avec toute la scène brésilienne et ce genre de choses. Et ben, je vais vous montrer son profil Faceit. Voilà, je vais vous montrer son profil Faceit. Et vous allez voir que le mec, en fait, voilà, regardez, 12 mars, 11 mars, 10 mars. Le mec fait que jouer. Et sachez que je crois que la Ligue des Champions, c'était le 10 ou 11 mars. Hein. Donc, il n'était pas sur le terrain à s'entraîner, à faire des fractionnés, à faire des squats, des tirages de maillots, de coups francs, de pénalty. Il n'en avait rien à foutre. Hein. Il était en train de se tabasser avec les Russes sur les serveurs de Faceit, sur Inferno et des deux. Ça me tue. Hein. Je vous le dis, ça me tabasse le crâne. Je suis mort de rire. Enfin, sachez que je suis mort de rire de ouf. Je vois le monde entier, sur Twitter et tout, s'acharner sur Neymar. Sachez qu'il n'en a rien à foutre du foot. Il est sur Counter-Strike, il se régale tous les soirs. Il s'en bat les couilles du ballon. Voilà, sachez-le. Il prend sa moula et il est bien. Pire, on va voir son inventaire. On voit son inventaire qui vaut des millions. Son inventaire vaut des millions d'euros. Il a les skins les plus rares, les plus chers. Il les a en version en plus, les plus iconiques. C'est un truc de ouf. Dragon Lore, M4 All, Stat Track Factory New, la crème de la crème. Tout ce que vous pouvez espérer un jour voir. Eh ben, il l'a dans son inventaire. Alors, je sais pas si c'est des cadeaux. Je pense qu'il doit y en avoir parce que la communauté brésilienne, elle est quand même très généreuse, très nombreuse et il y a énormément de soutien. Donc, sachez que, voilà, c'est la folie. Voici le compte de Néné avec une petite AK. Arabesque doré, voilà, avec des stickers Furia, bien entendu, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'AK cémenté Factory New Stat Track. Sachez que là-dessus, on est sur un appart Villa Bornemer. Ouais, je vous le dis, on est là-dessus. M4 All Stat Track Factory New avec sticker Yuri Furia. Pareil, ça coûte un truc colossal. Là, on a de l'AK encore Panthère tranquillement. On a des stickers couronne qui valent, je crois, entre 300 et 600 euros pièce. Il me semble. Ah non, c'est pas les holos. Non, je mens. Ceux-là, c'est pas les holos, c'est les simples. Mais bon, ça vaut quand même un petit billet. Ça vaut un petit billet. Après, Néné peut se permettre d'acheter tout ça. On a de la Whitefire Factory New Stat Track. On a ici de la Factory New Circuit d'Injection, très très rare, hein, sachez-le. On a de la Dragon Lore, bien évidemment, en minimal wear. On a bien sûr le Glock Fade, hein, le plus beau de tous. Factory New, les tortues en toile pour Factory New. Et voilà, on a bien sûr du Saphir. On a du Ruby. Non, là, c'est du Crimson Web en très peu usé, donc c'est très, très rare également. Il n'a que des skins de fou furieux. Voilà. Monsieur, madame, si vous vous posiez la question de où est-ce qu'il fallait mettre votre argent lors du quart de finale de la Champions League, eh ben c'était pas sur Neymar. Voilà, tout simplement. Ce craquito est sur Inferno, sur 2-2-2, à chercher des flashs et des smokes. Mais bon, il est niveau 3 Faceit, donc soyez fiers de vous, ceux qui ont déjà dépassé ce rank, vous êtes meilleurs que Neymar. Mais bon, il est sur le meilleur jeu d'El Mundo, hein. ça fait plaisir. Sachez qu'il joue à Valorant, je l'ai vu jouer à Valorant aussi. Il est parti défiscaliser les impôts sur CS, c'est ça gros, il mise tout là-dessus ce crack.